Bonjour, ici Fred Laroche de GameFocus.com et bienvenue à ce GameFocus Show numéro 10. Les gars, déjà 10 émissions. Oui. C'est assez extraordinaire. On est bon. De là à dire qu'on est bon. On est bon, c'est rendu à 10, ça, je veux dire. Écoutez, je suis très heureux de voir que ce projet-là, qu'on a commencé un petit peu après les fêtes, comme ça, sans grosses attentes, et maintenant rendu déjà à 10 émissions. Mm-hmm. Steve Tremblay, René Cadieux, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Game Focus Show numéro 10. Et on va attaquer tout de suite avec le bloc actualité. Alors, René, on va commencer avec toi. Quelle est l'actualité que tu as retenue pour nous cette semaine? Oui, moi, j'ai retenu, dans le fond, c'est la vidéo de fabrication de jeu de Child of Light qui a été postée par Ubisoft cette semaine. C'est une vidéo qui nous montre l'aspect musical du jeu, aussi qu'on peut voir et apprendre que c'est Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, qui a fait la trame sonore. Et comme elle explique dans la vidéo, c'est elle qui a eu le, comment dire, libre cours, a eu la liberté totale pour faire ça. Puis avec ce qu'on voit dans la vidéo, ça a l'air d'être vraiment beau et comme on dit, elle a été choisie par Poétique pour son petit côté poétique, son côté house du piano et tout le kit. C'est vraiment merveilleux ce que ça sonne, c'est merveilleux pour augmenter les combats. Ils ont fait appel pour le, ça est plus, comment dire, plus titanesque les combats, ils ont fait appel à l'Orchestre symphonique de Bratislava. Wow. C'est quand même pas n'importe quoi. Et pour être sûr que ça ait un aspect théâtral et une certaine beauté, ils ont demandé au Cirque du Soleil, ben au Cirque du Soleil Média, hein, des personnes qui travaillent là-bas, de donner des idées, de donner son avis sur certaines choses, et que c'est vraiment bien. Même par exemple, pour le, mettons dans le bruitage, ils voulaient avoir le bruit d'elle parfait. Le petit monsieur nous explique qu'il cherchait plusieurs éléments, il essayait avec des ailes, il essayait avec tout, ça marchait pas. Il y en a un, il dit pourquoi tu prends pas une fleur, puis finalement, ça a été le son parfait. Fait que, bref, cette vidéo-là, on apprend beaucoup. C'est la... Écoutez, les gars, moi, tout ce que je vois de ce projet-là jusqu'à date est en train de m'emballer. C'est en train de devenir peut-être une des plus belles expériences vidéoludiques à vie. Là. J'en reviens pas de ce que je vois de ce projet-là, novateur, original. Écoute, c'est emballant, vraiment. Ça me fait en partie d'ici, quasiment, on peut quasiment dire avec toutes les touches qu'il y a du Québec, puis tout ça, on peut quasiment dire un jeu de... qui va être proche de nous, puis qui a l'air vraiment titanesque. Ça va être le 30 avril qui va être... Ouais, mais c'est ça, je voulais te demander, justement, ça va sortir sur quoi, PS3? PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii U, le PC, puis c'est la totale, finalement. Pour 15$. Wow! Tu sais, je vous dirais, j'ai le goût de vivre l'expérience Wii U de ça, puis probablement je vais l'acheter Xbox One aussi. J'ai envie de le vivre dans les deux façons. Ouais, sérieusement, un beau projet. Ça s'appelle Child of Light d'Ubisoft. Ouais. C'est à surveiller. Ouais. Steve, de ton côté, quelle est ta nouvelle aujourd'hui? Ma nouvelle d'aujourd'hui, c'est The Last of Us, qui a été officiellement annoncé, n'est-ce pas, pour la PlayStation 4. Jeu qui va sortir l'été 2014, donc l'été qui s'en vient. Il faut remonter au 26 mars dernier. Il y avait eu des fuites, des informations disant que oui, The Last of Us va sortir cet été sur PS4. Puis là, donc c'est le secret le moins bien gardé. Ah, c'est ça. Dans l'après-midi, Sony, non, c'est pas vrai, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais officialisé ça, rien. C'est des menteries. Mais là, hier, sur le PlayStation Network, il est sorti une photo du jeu que tu pouvais précommander ta copie. Puis sur Amazon aussi, tu pouvais précommander ta copie. Fait que là, Sony voit ça, il dit comme, ben là, comment, on va le dire, ben oui, finalement, c'est vrai. The Last of Us va sortir sur PlayStation 4 dans l'été. C'est drôle en même temps, c'est genre de secret, comme tu dis, vraiment pas bien gardé. Mais là, ce qu'on apprend, puisqu'on en apprend au final de tout ça, c'est qu'aussitôt que le jeu a été lancé sur PS3 en juin dernier, en 2013, le 14 juin plus précisément, l'équipe de Naughty Dog s'est mis déjà à travailler sur une version PS4 de ce jeu-là. Au cas où qu'on lui demanderait, Sony lui dirait, ben, coudons les boys, ça serait le fun d'avoir le jeu sur PS4. Fait que pendant 10 mois. Du temps de libre, on s'entend. Ouais, fait que pendant 10 mois, pendant 10 mois, on travaillait dessus. Mais t'as l'équipe d'Uncharted, puis t'as l'équipe de ça, tu sais. Fait que c'est deux gangs différents. Fait que là, ils bossaient là-dessus tranquillement, pas vite, puis tout. Puis le gars, ils ont eu le call. Puis ils disaient, on va attendre de voir ce que les fans vont dire, si on va le faire. Évidemment, les gens, ils ont trippé dessus, puis tout. Puis juste de voir les rumeurs qu'il y avait, puis comment que le monde s'emballait, ils ont dit, OK, go, on va le faire. Fait que là, ce qu'on va retrouver dans ce Last of Us Remaster, toutes les contenus téléchargeables, ça veut dire Left Behind, c'était le DLC qui venait avec la campagne solo, puis les deux ensembles de cartes, là, Abandoned Territories, puis Reclaimed Territories, qui vont être des cartes multijoueurs qui vont être dedans. Fait que moi, j'avais pas joué la version PlayStation 3, puis là, qu'ils me l'annoncent comme ça sur PS4, je me sens un peu comme avec Tomb Raider Definitive Edition, je l'avais pas joué, fait que j'étais mal cherché.
Fait que là, l'avoir comme ça sur PS4, ben, ça me donne le goût d'aller chercher ma PS4. Ouais, je suis content, mais c'est bonne nouvelle. C'est vraiment le prix qui va me boquer. Ben là, je crois que j'ai vu 69 ou 59. Puis pour un jeu qu'on a déjà joué, c'est plate, mais c'est, je vais l'acheter pareil parce que c'est tellement un bon jeu. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas joué. Et non, je sais, c'est ça. Je parle pour quelqu'un qui l'a joué. Regarde, on est trois, là. Parmi les trois, moi et Steve, on ne l'a pas joué. Bon, je sais. Ce que je dis, c'est que pour personnellement, pour avoir pas fait l'expérience, tu sais, c'est comme, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire pareil sur le PS4. Mais juste le prix, t'es-tu comme un prend. Tu prends un jeu déjà joué que t'as revampé un peu, tu mets le contenu additionnel, d'accord, mais tu le remets là. C'est sûr que le jeu se vend peut-être encore. J'ai pas checké le prix de la version PS3. T'as raison, mais en même temps, moi, je me suis retapé Tomb Raider, l'édition next-gen. Vous le savez, j'en ai parlé d'accord, pendant les podcasts. D'accord, mais moi, c'est le prix. Et j'ai capoté. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Pour moi, c'était pas le même jeu. Non, c'est ça, mais je dis pas que c'est pas le même jeu. Je dis ce qui me boque, c'est vraiment le prix qui me boque. Ah, jouer l'expérience déjà. Tu me donnes de quoi déjà remâcher. Oui, ça va être plus beau. Oui, ça va être merveilleux. Mais c'est juste que tu me vends quelque chose qui existe déjà au prix d'une nouveauté. Gars, c'est. Je pense que ton point est valable. Si vous l'avez pas joué, achetez ça les yeux fermés. Mais si vous l'avez déjà joué, c'est le même jeu, dans le fond. C'est mardi. Mardi, on parlait dans le podcast là, d'avoir une claque graphique. Là, ils sont en ligne pour du 1080p puis ils visaient 60 FPS. Ouais. Je pense qu'on va avoir vraiment de quoi. T'sais, Naughty Dog, on sait que les Uncharted, comment que c'était beau. Il était déjà beau. Last of Us, c'est déjà beau, c'est ça. Fait qu'imagine une version PS4 puis tout dans le piton, ça va être capoté. Hein. Ouais. Absolument. Okay, Très bon point. Bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Messieurs, du côté de mon actualité, bon, fidèle, vous savez, j'en ai parlé souvent, je suis un racer dans l'équipe, je suis peut-être celui qui joue le plus aux jeux de course. Ouais. Pourquoi je pouvais pas passer à côté de cette nouvelle-là? Donc, le circuit de Long Beach s'ajoute dans Forza 5. Forza 5, c'est quand même le plus gros racer sur Xbox One jusqu'à date, là, je pense que c'est clair. Donc, le 10 avril, on va avoir la possibilité de jouer à cette extension-là. Et moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai lu cette nouvelle-là, qui a été couverte par notre copain Nicolas sur Game Focus, c'est surtout le fait qu'on a scanné la piste par laser. Et ça semble être la nouvelle norme en matière de conception de jeux vidéo, c'est que on balaye la piste avec des lasers, une voiture qui va circuler par exemple à basse vitesse et qui va scanner l'ensemble de la piste et ses environnements pour ensuite reproduire tout ça avec des concepteurs, des infographistes, tout ça, donc le reproduire en virtuel et ça donne quelque chose de très intéressant, c'est que la piste est à l'échelle complètement. Parce que c'est souvent une critique, comme amateur de jeu de course, qu'on a eu à formuler dans le passé, c'est que les courbes sont correctes. Là. Ça tourne bien à droite, où est-ce qu'il faut que ça tourne à droite, puis à gauche, je sais que ça tourne à gauche. Mais le circuit n'est pas fidèle nécessairement. T'sais, la vitesse dans laquelle tu arrives à telle courbe n'est pas fidèle. Ils ont enlevé je sais pas quoi, mais la piste n'est pas fidèle. Et là, dans le cas de cet ajout-là, c'est la totale. Les amateurs de course vont vraiment s'y retrouver. Juste une petite note, il faudra quand même payer 9,99 pour se taper ce téléchargement-là. Et moi, j'aurais aimé qu'il soit clairement gratuit. C'est cher. Mais oui, ça vient avec des voitures? Oui, il y a c'est au moins ça. De voitures Long Beach. Je ne sais pas combien il y en a, quelques-unes, mais bon, qui sont totalement inutiles dans un sens, parce que dans Forza, si vous l'avez joué un peu, vous savez que vous pouvez carrément utiliser d'autres voitures de la même classe puis parvenir à profiter totalement. Bon, au moins, tu payes pour d'autres voitures et un circuit. Ouais, c'est, ça fait moins mal au cœur que payer juste pour le circuit. C'est pas mal ce que je me dis, effectivement. Alors voilà, c'est à surveiller pour les amateurs de course qui voudront peut-être prolonger l'expérience de Forza, qui pourtant est déjà quand même assez longue. Moi, vous savez, j'avais questionné le nombre de pistes insuffisant de ce jeu-là, donc c'est pour ça que je suis surpris de voir qu'on m'ajoute des pistes et que finalement, il aurait peut-être dû être là dès le départ, mais enfin. Ça semble être la norme, messieurs, aujourd'hui. Alors, Steve, René, on va passer maintenant au volet des jeux, peut-être le segment qu'on aime le plus. On attaque. Alors, Steve, qu'est-ce que tu avais pour nous autres cette semaine en matière de jeu? Mon jeu cette semaine, c'est Star Wars Assault Team, n'est-ce pas? Sur la plateforme mobile que j'ai joué sur ma Galaxy Note 10.1, mais qui est aussi disponible sur iOS et Windows Phone. C'est un jeu gratuit qui est disponible après une dizaine de jours. Et puis, c'est en fait un jeu de combat stratégique tour par tour, OK? Tour par tour. Dans le fond, c'est une création de Disney Mobile, puis en partenariat avec la gang de LucasArts, évidemment. On se retrouve donc dans l'environnement de Star Wars, mais des films 4, 5, 6, dans le fond. Puis,
disons l'univers étendu aussi. Fait que là, on se trouve à se promener dans le fond d'un gros destroyer sur Kashyyyk, la planète des Wookiees, ou sur Ormantel, à Coruscant, Tatooine, ça fait de même. Fait que dans le fond, le jeu, t'avances à la première personne là-dedans, tu vois pas ton bonhomme, fait que t'avances comme ça, puis t'as tes quatre cartes en avant de toi. Quand là, tu te promènes dans des corridors, puis là, tu vas rencontrer des ennemis, mettons, toi, Stormtrooper, puis un colonel, un lieutenant, une affaire comme ça. Fait que là, tu choisis quel bonhomme que tu veux qui attaque le tel, chacun son tour, puis tout ça. Chaque personnage, en même temps, a une attaque spéciale. Comme, mettons, Yann Solo, avec son DL-44, il y a un coup de chance. Fait que là, quand tu cliques dessus... Excuse-moi, je suis pas aussi... j'ai pas de barrette de Star Wars, moi. Non, j'ai des draps encore. C'est quoi ton DL, machin? Ben, c'est le gun à Yann Solo. Ah, oh, God, c'est vraiment le nom du gun? Ouais. Fait que là, il claque sa carte pour son gun, puis il fait son attaque spéciale qui va fesser plus fort qu'un autre, puis il va probablement tuer un Stormtrooper d'une shot. Puis t'as, mettons, Chewbacca, que lui, il va gueuler. Fait que là, les quatre ennemis vont viser juste lui. Puis pendant que les ennemis vont viser ton Chewbacca, ben, ils n'iront pas attaquer les autres. Fait que si, mettons, les autres t'es faible, t'attires l'attention sur toi pendant que les autres, ils vont récupérer tranquillement, tu sais. T'as un healer, mettons, un médecin rebelle qui, lui, va guérir les autres, et ainsi de suite. Un qui lance des grenades, Luke utilise la force pour dévier les tirs. Mais ça, ce que tu me dis là, c'est-tu des personnages AI ou c'est d'autres joueurs? Non, en fait, c'est toi qui contrôle toi-même. Okay, tu contrôles ton paquet de cartes, tes quatre cartes, que tu peux changer comme tu veux. Tu sais, à un moment donné, tu vas trouver, mettons, R2-D2, je sais pas moi, un araignée, une bébite, n'importe quoi, un ami à Chewbacca, ça fait la même. Puis là, tu fais ton ensemble de cartes, puis chaque personnage, tu peux les évoluer en ramassant des gadgets, mettons, des pièces de gun, une sorte de cossin comme ça. Ils vont l'évoluer jusqu'à temps qu'il soit rendu au niveau 10. Là, ton Han Solo, mettons, tu vas pouvoir le promouvoir, puis il va devenir un peu plus fort, puis ainsi de suite, pour venir à faire des attaques de fou, de capoté. Visuellement, vraiment impressionnant, vraiment beau. Pour un jeu gratuit, il y a de quoi s'occuper longtemps avec ça. Tu as des missions, mettons, quotidiennes à chaque jour qui peuvent se rajouter outre à part l'histoire. Quand tu dis gratuit, on parle d'un free-to-play, donc il y a des options genre payant avec, je sais pas moi, des trucs que tu peux acheter pour XP ou whatever, c'est ça? Parle-nous un petit peu. Tu pourrais acheter en fait des cristaux parce que tu as genre, mettons, par exemple, tu as 18 trucs d'énergie. Là, quand tu as joué toutes tes parties, mettons, faire un combat sur Kashyyyk contre tel bonhomme, le troisième tableau, mettons, ça te coûtait 6 trucs d'énergie. Puis là, tu dis, je vais faire une autre mission, nanana, ainsi de suite. Puis là, oups, tu es rendu à deux petites coches d'énergie sur 18, puis la prochaine mission, elle coûte 6. Fait que là, tu peux pas jouer. Fait que là, tu attends que le temps passe, mettons. Ou t'achètes pour t'assurer. Si tu veux jouer tout de suite, t'ajoutes, mettons, 5$, puis tu peux. Est-ce que tu as senti que tu étais obligé d'acheter ou tu es parfaitement capable de jouer au jeu sans payer? Tu es parfaitement capable de jouer sans payer. Cool. Tu sais, au pire, à un moment, t'arrêtes de jouer, puis c'est tout. Puis de toute façon, ton niveau d'XP va monter. Là, mettons, tu changes de niveau, fait que là, ton énergie, ça remplit full. Puis si, mettons, tu voudrais évoluer tes bonhommes tout de suite pour les monter tout de suite plus fort, ben tu peux payer aussi si tu veux. Mais je ne l'ai pas fait encore. Puis je n'ai pas besoin, je ne sens pas le besoin. Puis c'est sûr qu'évidemment, tu peux jouer en ligne en plus en mode arène. Vraiment trippant. Je sais pas, j'ai pas remarqué qu'il y avait en du monde. En mode arène, est-ce que c'est toujours du tour à tour? Tour à tour aussi. Il faut que tu sois prêt en tabarouette. Il faut que tu aies tes bonhommes qui aient full défense ou qui aient des attaques bien fortes justement pour être clenché d'une claque. Puis évidemment, ben c'est Star Wars, fait que la musique est parfaite. Là, tu choisis tes bonhommes que tu vas améliorer, puis ta petite toune France, un sera quelques fois. Tu taponnes tes cossins. Le temps file. Mais c'est vraiment bon. C'est mobile, c'est donc ça. Seulement. Est-ce que tu sais sur quelle plateforme? iOS, Android ou seulement Android? iOS, Android, Windows Phone, les trois. Ah, et Windows Phone également. Yes, OK, sir. Très bien. Désolé, je suis obligé de te couper. René, qu'est-ce que tu as pour nous autres cette semaine? Eh bien, moi, j'ai un jeu gratuit si vous êtes membre du PlayStation Plus. C'est le jeu Mercenary Kings. Sinon, c'est un jeu qui est payant pour 20$ si vous n'êtes pas membre. Il est disponible aussi sur PC et Mac OS. Moi. Et... ça se trouve être un projet de Kickstarter qui était fait le 23 mars 2014. Si je ne me trompe pas, il date avant ça, mais il est sorti sur l'ordi le 23 mars. On voit d'ailleurs à l'écran, c'est pas mal. On visait 75 000, puis finalement, on a amassé un peu plus que 116 000. Je pense que c'est 116 000, $64. C'est un platformer 2D. Oui, un platformer 2D, un genre de shoot'em up, un peu rappelant Metal Slug, pour ceux qui ont déjà joué à ce type de jeu-là. Il est jouable à 4 personnes en coop. Ce qui est très le fun quand même. Il s'est développé par Tribute Games, ceux qui ont les créateurs de Scott Pilgrim Visit the World, The Game, le jeu qui est sorti. Écoute, je me sens vraiment dans les années 80. Là. Ouais, c'est un look années 80, c'est vraiment toutes les petites erreurs. Il y a une centaine de missions, puis c'est vraiment dur comme dans le temps. Là, t'arrives à peu près coche. Tu peux pas tirer en diagonale, c'est enrageant. Je peux pas croire qu'on voit des jeux comme ça arriver aujourd'hui. Ah, c'est malade. Autant que tu fais comme, bah, tu te laisses en pris dans le jeu au début.
commencé à jouer à ça, je dis bah il est gratuit, il va le télécharger. Je commençais à jouer, j'étais comme c'est le fun, c'est. Ça me rappelle. À 4, hein, peut-être parce que j'ai déjà joué dans le temps, oui, on peut jouer à 4. J'ai pas eu la chance encore de le jouer à 4, manque de temps, mais ce que j'ai joué à date, c'est vraiment bien. Admettons, t'as une île où c'est que t'as toutes tes missions, tu vas chercher tes missions, tu parles à ton caporal, il te donne des missions. Parce que dans le fond, toi, t'es un membre, tu peux choisir un des personnages, moi, membre d'une équipe de mercenaires élites, là, les Mercenary Kings. Puis eux autres, s'en allaient attaquer les Claws, une équipe des méchants là, qui ont pris une île et qui sont travaillent sur des affaires pas gentilles. Puis ils ont genre pris possession du Mandrake, un genre de sérum qui rend les gens plus forts, plus fuckés. En tout cas, c'est genre d'histoire de film de Jean-Claude Van Damme ou Chuck Norris. Mais, c'est vraiment équipant. On commence à jouer à ça. C'est équipant pas en rageant parce que, comme vous dites, c'est vraiment tiré des années 80. Là, t'arrives sur le bord de la passerelle, puis là, mettons, le gars va te tirer, ou il y a des modes faciles, tu te couches à terre, tu tires le gars, puis oh, la balle passe, on a le droit à un couteau, on peut augmenter les personnages, les armes, c'est quand même très, très intéressant, puis il y a plusieurs clichés de vieux jeux, là, c'est vraiment un petit jeu, si vous êtes membre du PlayStation Plus, puis vous avez une PS4, pourquoi pas le télécharger, il est gratuit. Et pourquoi pas? Sinon, ben, c'est quand même 20$, c'est sûr que malheureusement, j'ai pas remarqué s'il y avait une démo, ça, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus, je mériterais un coup de règle. On est d'accord, les gars, que 20$, c'est peut-être un peu cher. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu cher, je trouve, pour le jeu, pour ça, je me chicanais pour la démo, savoir s'il y en avait une, mais il me semble que j'en ai pas vu. Ce qu'on a vu là, c'est intéressant, mais il y a quelques centaines de jeux des années 80, début 90, qui étaient identiques. Là, pour moins cher aussi. Ouais, c'est ça, un bon émulateur sur votre ordinateur, ça va faire le travail. Très bien. Moi, de mon côté, messieurs, j'ai joué, ça fait à peu près 2 semaines que je meurs d'envie de vous en parler, c'est pas drôle. Kinect Sports Rival, dans le fond, c'est que on a reçu le jeu quand même assez tôt chez Game Focus, puis je ne pouvais vous en parler, on était sous embargo. Donc, c'est donc ce merveilleux jeu qui tire profit de l'accessoire Kinect, la détection de mouvement, Kinect de la Xbox One, j'entends bien. C'est la suite de Kinect Sports. C'est un jeu qui est composé de 6 disciplines sportives, donc les quilles, le soccer, le tennis, l'escalade, la moto marine, il m'en manque un. C'est pas l'affaire qui vole. Non? Le tir sur cible, ouais. Un peu futuriste. Donc, on se place debout devant Kinect. Kinect va nous scanner pour reproduire notre visage et l'apposer sur notre avatar, ce qui est drôlement intéressant. Et puis par la suite, on emprunte certaines disciplines. On arrive sur une île et on veut devenir le meilleur de l'île. De tous les sports proposés, la critique la plus dure que j'ai faite, ceux qui ont lu ma critique sur Game Focus, c'est les quilles. Je questionne totalement l'intérêt d'avoir les quilles dans un jeu comme ça, alors qu'on a connu, mettons, Wii Sports ou d'autres, même sur PS4. Je comprends pas pourquoi sur une île déserte, il y aurait une allée de quilles en plein air. Tout relaxé, avec un pina colada. Exactement. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu, par exemple, claquer des balles de baseball, un concours de coups de circuit, par exemple. Ça, ça aurait été extraordinaire en plein air, ça aurait été super sympa. Donc, le principe, tous les sports impliquent une dose de notion de réalité augmentée. Par exemple, dans le cas de la moto marine, on doit prendre le guidon et... exactement, René. Donc, faire semblant... Non, c'est ça, t'as raison. On tient le guidon devant comme ça et on va ramener la main droite et la main gauche comme je le fais présentement et non pas comme un volant pour conduire. Ouais. Et je vous dis, la moto marine, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien fait. Mais le tennis, on présente notre main devant, on prend la raquette virtuelle à l'écran et on ferme notre main. Et c'est ce que je voulais inciter aujourd'hui, c'est que la motricité fine est reconnue quand même par Kinect. C'est ça qui est intéressant. Doigts, hein? Ouais. Et là, on ferme notre main sur la raquette et on envoie la balle et on fait le service et ça marche. Sauf que c'est du grand n'importe quoi. Tennis et les quilles. Garde, tennis, on ne fait que traverser la balle puis on espère que l'autre bord la frappe pas, puis on fait des points comme ça. Puis. L'escalade, c'était-tu pas pire, ça avait l'air. L'escalade, moi, je l'ai aimé parce que, écoute, tu mets ta main comme ça, tu la rouvres et tu la fermes sur la poignée, tic, et là, Kinect détecte. Puis t'es prêt à passer à l'autre poignée. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir que t'es capable de vraiment reconnaître quand ta main est ouverte et elle est fermée sur une des poignées du mur d'escalade. C'est sûr que c'est fatigant d'avoir les deux bras dans les airs pendant 10 minutes, là, honnêtement. Là. Mais bon, ça marche. Est-ce que ça marche? Ça marche. Moto marine, escalade, c'est numéro 1. Tir, pas vilain, il faut avoir notre main. Là, je le montre à l'écran présentement pour ceux qui nous voient. Donc, on saisit l'arme qui est dans les airs, on la prend, il faut pointer puis tirer. Avec le doigt, c'est quand même fou, là. Par, t'es mort. Ouais, mais ça marche. Mais bon, ça marche, mais moi, le curseur, il y avait un décalage comme d'à peu près 8,
8 cm par rapport à la cible. Donc, il faut que tu regardes c'est l'écran, étonnant, ce ça. qu'on pense. C'est étonnant, effectivement. C'est un duck hunt manqué, on pourrait Okay. dire. Mais est-ce que, une question technique, mettons, vu que c'est un jeu qui joue principalement debout, pas mal tout debout, est-ce qu'il faut à ce moment-là que tu es mieux de peut-être suggérer aux gens de recalibrer le Kinect quasiment juste pour ce jeu-là, parce que là, faut que tu l'inclines un peu plus vers le haut, vu qu'il faut quatre points debout, ben, si t'es à bonne distance, c'est quand Steve, même correct. premièrement, merci pour ta question. Ce que j'ai à dire, j'aurais probablement oublié de le dire, c'est qu'il faut tout dégager devant. Il faut être reculé. Écoute, vous êtes déjà venu chez nous, les gars, vous avez vu, j'ai quand même un salon d'une grandeur appréciable. Ben, croyez-le ou non, j'étais à côté, les genoux après, le derrière des genoux après mon divan, pour être capable de jouer. Tellement ça prend de l'espace. Mais si on parle d'à peu près 125 pieds, Ah, là. c'est... Mais non, t'es con. Non, non, Gagne sérieux. Non, non, mais je veux dire, ça prend du dégagement. Puis en plus, c'est pas que tu manques de frapper ceux qui sont autour de toi en jouant au tennis. Là. Fait que, tu sais, c'est pas évident. Mais, cela dit, oui, ta suggestion est bonne. On recalibre Kinect correctement avant de jouer, c'est mieux. Pour le reste, c'est une belle compile, c'est intéressant. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit gratuite, incluse avec la Xbox One à l'achat. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on doit payer 59,99 pour cette compile-là. Mieux vaut tard que jamais quand même. C'est pas un vilain jeu. C'est intéressant. Je lui attribue donc la note de 7,5 sur 10. Ma critique complète est en ligne sur le site. Je vous invite d'ailleurs à aller la lire. Alors voilà. Oui. Je veux pas te couper de même, Oui, mais tu es aujourd'hui, on fidèle à pourrait ton faire notre habitude, question vas-y. du public. Merci René. Je suis en train d'oublier encore une fois, ça serait fait fustiger. Ouais, on va se faire flageller. Oui, on a la flageolée peut-être un peu fort. La Pâques s'en vient. Ouais, c'est ça, Pour ce qui est de la question du public, je te retourne la balle, mon cher René. Quelle est cette question et de qui elle provient surtout? Eh bien, avant de se faire crucifier, on va prendre une question de Widges, notre cher Widges. C'est presque un collègue, tellement il nous lit Ouais, souvent. c'est ça, il écrit tellement souvent que. Fait que la question, c'est le retour. Quel retour de franchise dormante ou morte qu'on aimerait voir revivre de nos jours? On parle justement tantôt d'un petit jeu de style années 80, mais quel jeu parmi vous autres vous aimeriez voir revivre? Comme il y a c'était par exemple Duck Hunt que tu as parlé de toi et Bad Conquer Days, juste pour. Bon, on fait un tour de table. Quel jeu, les gars, vous aimeriez voir revenir aujourd'hui, un jeu classique, on s'entend là? Ah, Si je... ben vas-y. OK. Ben, évidemment, vous me connaissez, je vais dire contrat, comme d'habitude. J'aimerais ça avoir un contrat, mais justement, là, la même affaire. Je ne le veux pas en 2, 3D, là, je le veux en 2D. J'aimerais ça avoir une version remaster. C'est, mettons, du 1, du 2, du 3. Ça s'appelle Expendables. Ouais, mais, bon, mais il était en vue isométrique, je n'ai parlé dans le Ouais, c'est podcast. ça, c'était ça le Mais vu de problème. côté, la même, là, super beau avec des graphismes pétés là, de 2014 Next Gen. Ça, Et un j'aimerais ça. cerveau à la fin. Oui, avec des yeux. Ouais. Ouais. Sinon, j'aimerais ça aussi faire Metal Slug, mais en first person. Ça pourrait être cool, ça. J'aimerais ça. Un truc comme ça serait le fun. T'avais juste dit Sinon, Metal Slug. Strider, ça aurait été pas payé, mais ils l'ont fait. Fait que là, ça, c'est fait. Si on laisse Steve, on va en avoir 10 parce que c'est tellement le gars des années 80. René, toi, de ton côté, un ou deux titres que tu Ben, pour aimerais. ma part, comme j'aime un peu le sport, je verrais Baseball Star. Ce serait un des jeux que j'aimerais bien voir, ou Base War, ou Base Simulator 1000, là, des jeux de baseball avec des petits thèmes spéciaux, si on veut. Et aussi, ben, pourquoi pas un Blade of Steel version ou un Ice Hockey, tu sais, juste un petit jeu de hockey plus évolué que le petit jeu de hockey All-Star, quelque chose que le nom m'échappe, là, mais puis moins évolué qu'un NHL 2014. C'est genre juste une petite Absolument. dose à jouer un chum avant un match, justement, ou quoi de même. Sinon, il y a plusieurs jeux d'action, mais je vais te laisser la parole parce que je passerai la nuit, moi aussi, à en nommer. Moi, j'en ai un seul. Je ne sais pas si ça va vous surprendre ou pas. Out of this world. Hein, pas Project Gotham. Non, non, Out of this world, c'est le nom du jeu. Ah ouais, je me Ouais, rappelle je de sais, je ça. t'ai niaisé, ouais, C'était un jeu c'était. drôlement intéressant Ouais. à l'époque qui était. C'est dur. Oui, il est Ouais. dur, tu dis. Dur. Donc, j'aimerais voir un Out of this world remasters C'est dur. 2014 sur 3D ou PS4. vu de côté, Non, non, comme non. c'était? Classique de côté, dur, pas faisable, qui te fait rager, que tu tires ta console après le mur, puis tu vas la chercher après 10 minutes, puis tu recommences. Il est comme Donkey Kong, dans le fond. Ouais, J'ai oublié ça, tu peux plus lancer tes consoles, frère. Et voilà. Même ta manette, tu peux plus lancer à 60 Non. échecs. Alors voilà, Steve Tremblay, René Cadieux, Fred Laroche, bye bye tout le monde à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Game Focus Show. Voilà. Ben oui, c'est ça. Bye bye tout le monde. I can do this all day, baby!